Deuxième partie, le désordre. Tous les soirs, cette banquette grise où je me retrouve moi-même, la traversée de Paris, les agents en pèlerine, les phares qui glissent mais ne coupent pas. Je monterai au troisième étage, elle m'ouvrira dans un peignoir rouge et des mules de cuir rouge. Nous entrerons dans le salon. Je prendrai son visage entre mes mains et je l'embrasserai sur les joues. Visage obstinément retiré, la sagesse d'un monde moins avide, une conscience embarrassée d'elle, une vision mystérieuse faite d'épées rentrées au fourreau et qui brille à l'intérieur de l'ombre. Elle se laissera tomber devant la cheminée. Je m'allongerai à côté d'elle. Une nouvelle fois, je penserai, voilà un intérieur moderne, avec cette sorte de tristesse qui naît de la perfection, parce qu'alors, il n'y a plus rien à espérer. L'air souple de juillet par la fenêtre, mes mains près des siennes. Nous ne parlerons pas beaucoup. Elle m'arrêtera si je commence et je lui demanderai, qu'est-ce qui vous intéresse ? Elle me dira, il m'intéresserait de savoir que vous allez me tromper. Alors, eh bien, elle se lèvera et allumera une cigarette. Alors, je me vengerai de moi, comme je m'en voudrais, dira-t-elle, avec fougue et songerie. Comment ? Vous seriez une personne normale ? Vous me verriez une fois par semaine, comme un frère aimable ? Quelle horreur ! Tant pis pour vous. Je ne peux pas me passer de vous. Elle m'expliquera qu'elle a beau détester la lâcheté, les embarras. Elle serait lâche, elle m'embarrasserait. Je pèserais sur vous de tout mon poids. Vous êtes incorrigible, Claude. Toujours vous serez fier et vous dessinerait votre vie comme d'autres ont dessiné la Joconde. Elle me reprochera de ne plus avoir 14 ans et de me prendre pour une grande personne depuis que j'ai fréquenté des miliciens. Je me défendrai. Je ne suis pas indifférent. Quand comprendrez-vous qu'il ne m'arrive rien ? Je suis heureux de vous. J'ai suivi des guerres, j'ai été poursuivi. En un sens, tout cela peut se dire. Mais qui le dira ? Des historiens, des étrangers. Moi, je me tais. Un fleuve ne s'occupe pas de savoir si les nageurs qu'il transporte sont beaux ou laids. Comment ai-je pu captiver un fleuve ? Demandera-t-elle en riant. Toutes ces paroles sont endormies sur les marches des journées qui viennent. Nous passons et elle se réveille. J'accepte la vie de cette façon. Les soirées sont aussi libres que les taxis. On ne s'occupe pas d'elles. Elles vont toujours au même endroit. J'ai vite retrouvé la merveilleuse monotonie de l'armée. Cette incohérence aux yeux secs. Il y a longtemps, il n'y a pas longtemps, c'est pareil. Les chansons les plus stupides se déversent dans mes oreilles. Je les aime. 1945 ayant traîné dans les antichambres, ayant trop fait parler de lui, c'est achevé. On me licencie. Les événements surprenants de Rhénanie m'ont touché plus qu'il n'est permis. Dégoûté, furieux, innocent. Une fois à Paris, je vis d'une façon déraisonnable. Je prends à imiter les autres. Un plaisir sale. Je les regarde pour la première fois. Un visage se tourne moins vite qu'une page. Ils sont plus poisseux. Voilà l'ennui. Personne ne se détache. Je les nomme et ils viennent. J'oublie leur nom. Ils retombent
dans leur enfer à 5%. D'une façon ou d'une autre, ce sont des types. Le plus amusant est encore Günther Berg, 54-12. Je le rencontre dans un café. On lui casse la gueule parce qu'il disait du mal des juifs. Cette confession tombait mal. Un des assistants avait perdu sa famille à Auschwitz. Il ne s'en félicitait pas, mais il s'en vantait quand même. J'ai aidé Günther Berg à se relever. Je lui ai collé son chapeau sur la tête. J'ai laissé le juif où je l'avais mis, c'est-à-dire par terre et très bien là. Nous avons parlé dans une brasserie du boulevard des Italiens. Günther Berg, 54-12, avait passé 15 ans depuis longtemps. Mais il avait beau faire, un élastique le rattachait à sa 15e année. Il ne pouvait aller très loin, simplement tourner en rond. Les expériences que peut imaginer un garçon de 15 ans est modeste. Ce Günther Berg m'a entraîné chez ses amis, la fine fleur de la réaction. J'allais dans des réunions où on lisait sur les visages la souffrance spirituelle causée par les nationalisations. Des rides profondes indiquaient les ravages provoqués par l'impôt de solidarité. Jamais je ne lui ai dit que j'étais le frère de cette Claude qu'il avait connue dans le midi, 6 mois auparavant. Je n'avais pas dit non plus à la vieille fille sur le quai de la gare que je sortais de la milice et que j'avais travaillé avec les Schleus. Il y a un honneur jusque dans les scènes de séduction. Pendant cet hiver 46, je ne pouvais détacher mon esprit de certaines pensées. Les caractères mal formés, comme le tien, aiment à se coller dans un coquillage. Ainsi font les Bernard l'ermite. Ils trouvent leur sécurité dans un beau programme de rêves et d'idées. Et je tournais en rond dans mes songes, mais il n'y a que les imbéciles qui s'en plaindraient. Leur idéal est la ligne droite et qui monte. Ma perfection à moi, c'est le cercle. La vie est épouvantablement romanesque, disais-je. Il suffit de remuer un peu et ça ne t'arrête plus. Vieille, adultère fané, meurtre dans tous les coins, cendre et fond de verre. Ça suppure et ça dure. Il faut une grande chance pour épargner à son existence tant de belles perspectives étagées. Remplacer la tragédie classique avec ses héros, ses flambeaux, ses colonnes, par une station de métro dans une capitale du XXe siècle. Ces figurants, leurs yeux crevés, leurs vêtements blafards, le vrai drame. Les héros de tragédie souffrent et meurent. Ils se reconnaissent. Ils respirent leur climat. Tout leur fait plaisir. Les stations de métro ne voient que des anonymes qui ne souffrent que de l'ennui. Mais avec des yeux de tous les jours, ces questions-là n'existent plus. On est tranquille, c'est-à-dire sincère, c'est-à-dire heureux, c'est-à-dire presque rien. Car je me plais beaucoup mieux qu'au temps de l'occupation. Ces histoires de milices, ça promenait, mais ça ne donnait pas tellement de couleurs. 2 jours après ma démobilisation, il m'a suffi de respirer pour deviner que ce serait admirable. La douce révolte m'a pris par les mains. Je me suis laissé guider, écœurement, mon beau souci. Alors j'ai fait la chose défendue. Une sorte de retour sur moi-même. Ce sale regard qui poisse et qui dénonce. François Sanders, ces syllabes qui me servent de prétexte. Ton pays me paraissait à vomir, avec son nombril gigantesque, ses estomacs, ses cœurs et ses viscères. Il reste que la partouze France ne te concerne pas. Ils prétendent que tu es difficile à comprendre. Ils mentent. Le respect n'a rien à voir dans ton cas. L'ambition encore moins. Alors,
que tous les autres sont victimes de je ne sais quelle conjuration de leur mollesse et de leur avidité, François Sanders a su ce qu'il voulait. Je n'ai pas cherché la force. Est-ce ma faute si, à 12 ans, son nom me remplissait le cœur de joie? Ici, ils m'attendent tous avec leur compas et leur tableau noir. Ils croient qu'ils mourront facilement et qu'ils feront de tout cela une philosophie conséquente. Je ne recule pas, je suis sûr de ma logique. Ils veulent nous persuader qu'on peut être fort dans un cabinet de travail. Ce sont des Boy Scouts. Ils mentent. Dans un cabinet de travail, on n'est pas fort, on est puissant. C'est le contraire. Les puissants sont victimes de l'esprit de perfection qui les enchaîne au temps et fait de leur vie l'esclave de leur mort. On prétend que le pouvoir apporte avec lui ses gendarmes et que 10 gendarmes sont plus forts que le plus intrépide des hommes. On oublie d'ajouter que les gendarmes vous gardent beaucoup plus qu'ils ne vous servent. Avec eux commence l'abstraction. On pense se faire le maquereau d'une grande idée. C'est l'idée qui vous possède. On s'amuse à conquérir des provinces pour l'amusement des hommes et, justement, dans ce but, il se trouve qu'on a besoin de son pire ennemi. On le ménage, on le cajole. Il faudrait l'étrangler. J'éprouve, Dieu merci, une grande confiance dans la force physique. D'abord, il y a la peur des autres. J'accepte sa présence, sans beaucoup y croire, tant je la trouve stupide. Un enfant de 7 ans comprendrait qu'un homme n'est pas une tragédie classique et que les larmes protègent mal des coups de poing. Il est vrai qu'ils adorent les coups. Quand on lui a cassé la gueule, le français se sent bon. Je me rappelle un type d'une 40aine d'années, ses épaules effacées. Il parlait fort pour se rassurer. Je l'ai poussé devant moi et il a reculé encore plus vite. Alors, il s'est trouvé coincé contre une porte de métro et il a compris qu'il devait se battre. Ils en sont tous là. La vanité, la mauvaise humeur, l'insouciance leur servent de porte de métro. Ils s'y adossent et l'on reconnaît les faibles à ce qu'ils se battent le dos au mur. Autrement, ils tomberaient. Et les hommes dans la rue ne sont pas différents des autres animaux. Ceux qui ont la plus large encolure et le poil noble, personne ne leur dispute le trottoir. Au moment où j'enviais ces hommes, je me trouvais déjà dans leur camp. Le hasard et la logique m'ont musclé. Le hasard, c'était de mesurer 1m85 chez les Français. La logique était de s'en apercevoir, non pas dans une glace, mais en tapant sur mes ennemis, qui sont presque tous les autres. Naturellement, je trouve plus fort que moi. Je considère ces ouvriers qui passent des heures à grossir leurs muscles en soulevant des pierres ou en portant des sacs comme des types déloyaux. Ils s'entraînent pendant que je lis Saint-Simon. Le secret de mes victoires ne se cache pas dans mon poids. Il réside dans la clarté de mon esprit. La plupart se battent avec l'idée naïve qu'ils l'emporteront parce qu'ils sont les plus forts. Ils imaginent qu'ils sont forts, comme les cerises sont rouges, l'or plutôt jaune. Par un décret impérial de la nature ou de Dieu, ils ne cherchent pas à savoir comment ils gagneront, alors que cette seule question m'occupe. Je tords un bras, ce n'est pas pour étaler ma force, c'est pour faire mal. Je ne sais si la distinction apparaîtra à tout le monde. Mais comme il est vraisemblable
que les citoyens qui ne la verraient pas dans la clarté sont justement ceux qui se font toujours casser la gueule. Laissons-les à leur noble consolation. Je rencontre également des gens dont le métier est de se battre. Derrière leur petit œil obtus, il ne peut bondir qu'une idée, celle du meilleur endroit pour frapper. Alors, faute d'avoir les muscles plus rapides, j'ai la morale plus vive. Quand ils se demandent s'ils vont me faire un croc en jambe, je les frappe dans le ventre. Lorsqu'ils balancent pour m'étrangler, je les atteins dans les couilles. Plus déloyal que ces policiers, ces boxeurs, je l'emporte assez souvent. D'ailleurs, je préviens que je ne cherche pas à être l'homme le plus fort du monde. Qui parle de hiérarchie parle aussi de discipline, d'esclavage. J'ai dans l'idée que l'homme le plus fort du monde n'a presque jamais le temps de se battre, tant il passe des mois à s'entraîner. Bonjour. Bonjour. Au contraire, je ne m'entraîne jamais et je me bats. De cette habitude sont venues mes réflexions. Elles ne s'arrêtent pas là. Je me suis étonné de l'apathie des ouvriers musclés, ceux qui ne lisent pas Saint-Simon, dont je parlais à l'instant. Ils ne sont pas toujours pauvres, mais ils sont mal habillés, ce qui est pire. Ils voient passer des jeunes gens, fils d'une bourgeoisie qu'ils méprisent. Ces jeunes gens ont des costumes propres, ils craignent de les salir. Je vois passer ces faibles hommes, ces faibles garçons aux bras de filles élégantes, devant toutes sortes de sauvages souriants, les hommes de la pierre, ceux de l'acier. Je m'attends à des scènes violentes, j'espère des injures. Hélas, rien du tout. Les peureux enfants de la bourgeoisie gardent leur élégance, leurs filles parfumées. Les trottoirs sont dédiés à l'ordre.给你一堆食材，然后你去抓了，然后可以领出来一条菜，你就把拿到这里。Ce mot magique me rappelle une grande lacune dans mes explications. J'ai omis d'étaler les circonstances qui me faisaient aimer la force. Quelques-uns penseront qu'il est bien d'établir sa vie suivant la couleur de nos cheveux, la ville où nous sommes nés, etc. Mais cela ne suffit pas. Je suis capable de solitude. Je ne suis pas solitaire. J'avoue que j'ai des instants de bêtise où je tiens profondément à des inconnus. Mon honneur est sur leur épaule et je dois les défendre de tout mon cœur. Cette nécessité devient plus difficile quand ils sont les victimes d'une foule. Chez les foules, c'est comme chez moi, avec des motifs différents, le danger n'existe pas. Il faut l'emporter d'une autre façon, sans démagogie. Guérir leurs troubles par un calme méprisant. Et même sourire le plus possible, ou leur donner l'idée qu'ils ont un meneur, un champion, comme les Troyens avaient Hector. Cette idée leur plaît, parce qu'ils sentent tous, à la minute, qu'ils auraient pu se transformer en Hector et qu'ils ont la chance de ne pas l'être. Hector dans la paix, jamais dans la guerre. Ils respirent, ils applaudissent. Quand Hector s'est écroulé, l'inquiétude les reprend. Ils craignent qu'on ne lui cherche un successeur. Et les uns s'en vont, et les autres félicitent le vainqueur, c'est-à-dire moi. Ils imaginent que je n'aurai pas l'audace de frapper mes avocats. Ils oublient leur nombre
pour considérer leur lâcheté. Sur tout cela flotte dans leur cœur un délicieux sentiment de justice. La justice étant de reconnaître que le vainqueur avait raison, ou ses raisons, dans le plus mauvais des cas. Tout ceci ne me viendrait pas à l'esprit sans cette tendre petite fille dont je m'occupe. Je suis bien tranquille. On ne lui fera pas des propositions dans la rue. On ne dira pas d'insolence sur ses jambes ou sur ses seins. Je suis là pour taper et nier les insolences. Avec moi, les choses deviennent sérieuses. Les aimables jeunes gens qui se donnent des airs régence ont soudain le nez qui saigne comme les autres. Ces importants imbéciles ne pourront pas humilier une petite fille en robe blanche. Douce Claude, c'est une espagnole, une petite espagnole blonde. Mais c'est permis. Pour l'été 46, nous sommes partis à Cannes, où Claude avait vécu 2 mois, l'année passée. Je dois dire que je manque d'idées au sujet des vacances et que je les aime sans jamais y avoir rien compris. Aussi me remettais-je entre ses mains. Le midi ne lui plaisait plus. Elle n'a pas résisté très longtemps. Mais enfin, il a fallu insister. Entre autres raisons, je trouvais amusant de me rendre dans un endroit si vulgaire, si délaissé par notre société. Un endroit où l'on ne peut jouer les Français sans être reconnu et chassé. Je crois que le mot « amusant » est très bien employé. Nous avons voyagé dans le Delahaye de Bernard, si basse qu'elle rendait les maisons, les arbres un peu grotesques, avec cette disproportion des jeunes géants informes. Bernard l'avait acheté en secret 1 an avant la libération. Il s'en était servi 2 jours. Son odeur flottait à peine autour de nous. À vrai dire, Claude n'avait jamais été encombré par sa mort. Avais-je eu le courage de le défendre? Sûrement non. Comme tous les gens qu'on a longtemps détestés et qui n'en valaient pas la peine, je l'aimais beaucoup. Je lui avais laissé ma sœur en mariage. Mais après tout, les balles des Vietnamiens ne rendent ni fort ni magnifique celui qui ne l'était pas 1 minute avant. Tous les deux, nous pensions à lui très lucidement et très gentiment. Bernard était un garçon d'une grande propreté, un homme de scrupules infinis, dans une époque moins délicate. Ses circonstances, la saleté du temps, le rendaient précieux. Bien sûr, Claude ne l'avait jamais aimé, mais elle ne lui en avait jamais voulu, non plus, d'être là. Nous sommes partis de Paris à 1h du matin. Claude a dormi sur mon épaule. Nous étions rajeunis, ce qui m'allait bien au teint. Mais Claude paraissait 15 ans et cela devenait exagéré. Nous sommes restés 24 heures à Nice. J'ai revu avec émotion ce sol que j'avais foulé de mes bottes de milicien. J'y revenais en innocent, ce peuple oubliait ses bourreaux aussi vite que ses martyrs. J'ai commencé à croire, dès cet instant, que les bourreaux, comme les martyrs, appartiennent à une race exceptionnelle, désagréable à la majorité des Français. Pendant 3 ans, ceux-ci avaient affiché une photo du maréchal, geste grivois, mais qui n'était pas sale. Au lendemain de la libération, les journaux et le cinéma leur avaient fabriqué une solide conscience de résistants. 1 an plus tard, la résistance les scandalisait.
Ils riaient des généraux de 30 ans. Ils acclamaient les noms des vieux parlementaires. Avec ceci, il ne s'est rien passé, disait-il. Ensuite, nous avons été à Cannes. La mer de cartes postales, les plages comme des limaces, la crainte d'être reconnu par un Français. Tout cela m'a retenu dans ma chambre. J'avais emmené Saint-Simon et Saint-Simon, pour les natures délicates comme la mienne, purifie l'air, enthousiasme l'atmosphère. Claude a tourné autour de moi deux ou trois fois en faisant des grimaces. Elle a soupesé la pile des tomes qui restaient devant moi et elle m'a laissé. Une semaine plus tard, j'ai circulé dans Cannes avec insouciance. D'autant que ce petit village du Midi est peu cité dans les mémoires. Ainsi avais-je la sensation d'habiter un coin perdu, sensation très juste. Pour être franc, le même soir, j'ai été rejoindre l'endroit où Claude dansait. Elle m'avait donné des renseignements précis, quelque chose de laid, d'oriental et de blanchâtre. J'ai trouvé une terrasse pleine des couleurs les plus blanches. J'ai écarté des types avec le visage orgueilleux et lassé de ceux qui cherchent. Si je ne l'apercevais pas, j'irais m'installer dans un angle. 10 minutes plus tard, j'étais dans mon angle. La nuit, il semble que la mer se démaquille, cesse de se conduire comme une rombière agitée. Malgré tout, les danseurs blancs sucraient l'ombre d'une façon désagréable. J'ai toujours aimé le café sans sucre et la nuit sans personne. Un éclat de rire, soudain, m'a entouré. J'ai rougi et je me suis trouvé parmi Claude et plusieurs personnes de genres très différents. On m'a présenté, on a dit que j'étais un caractère de telle et de telle sorte. J'ai fait semblant de ne pas raccompagner Claude. Nous nous sommes revus dans sa chambre. Nous nous sommes tordus de rire. « Mon Dieu !» a-t-elle dit. « Je ne me serais jamais tant amusé si on t'avait présenté sous ton nom. Et puis, les déguisements, ça te va merveilleusement au teint. » Je me suis levé, je lui ai servi à boire et je l'ai embrassé sur les deux joues. Elle a mis la phono en marche et nous avons dansé pour la première fois depuis longtemps. On m'a posé 100 000 questions, on m'a demandé où je t'avais connu. On m'a dit que tu n'avais pas le genre d'ici. J'espère bien que tu n'as pas le genre de Cannes. Je lui ai demandé les noms de ses amis. Ils avaient tous un nom personnel, comme Claude s'arrêtait de parler pour boire. Je lui ai dit que Fleuve prenait un genre garçon coiffeur prononcé, trop prononcé. Elle m'a répondu en s'étonnant, « Je le connaissais donc ? Je l'avais vu à Paris ? Elle n'avait pas dansé avec lui ce soir. Moi, je l'ai regardé gentiment. « Tu vas être ennuyeux, m'a-t-elle dit soudain. Tu devrais boire du whisky. N'importe quoi. Tant que tu ne boiras jamais rien, tu seras le frère le plus délicieux du monde, sauf un quart d'heure par mois. Bon, ai-je fait, j'irai passer mon quart d'heure à côté. Les jours suivants, je suis revenu sur mes jugements. Non, pas des jugements, les noms que j'avais placé sur chacun, le pharmacien, le brun, la folle, une autre folle, tout cela n'engage guère. Encore une fois, avec de la facilité d'esprit, les choses s'arrangeaient. Il faut prévoir à Cannes, en plus des plages et de leur fumier, des amis de vacances et il est entendu que ces gens vous appellent par votre prénom, vous passent un bras autour du cou et autres saletés. D'ailleurs, j'avais avec moi, pour me consoler, mon cher fleuve, heureux et multicolore, salé par la mer, râpé par le soleil. Un jour, il m'a demandé d'un air gourmand si je ne faisais pas de la littérature. Alors, je l'ai observé d'une façon nouvelle.
Son visage fin, ses sourcils droits, son côté osseux. Autant de signes d'une épouvantable décadence. Vraiment, vous n'écrivez pas ? A-t-il insisté en se tortillant. Moi, j'écris des pièces. Vous savez, je me fiche bien des filles avec qui je couche. Seulement, c'est amusant de mettre des choses que je suis seul à connaître en les attribuant à des personnages de théâtre. Je lui ai demandé si on le représentait. Il a répondu que ce n'était pas encore arrivé. Je lui ai proposé de le présenter à Monterland, qui n'était pas très loin de Cannes. Il a sauté de joie. Un enthousiasme surprenant a ravagé son visage et il a commencé à me tutoyer de temps à autre. Mon rêve préféré serait de réunir quelque part toutes celles que j'ai aimées et que j'aime. Tu ne trouverais pas ça délicieux ? C'est que ça serait agréable, se transformer en collectionneur. Passer du rose au bleu, du bleu au vert. J'adore changer. Sans changement, on ne vit pas, etc. Je lui ai avoué qu'à mon sens, on n'était pas forcé de vivre. Il a trouvé cette remarque très amusante et j'ai noté, en effet, qu'il me jugeait un peu trop souvent amusant. Vous êtes un type curieux, vous ne parlez jamais de vous. Au fond, c'est de la pose. Au fond, oui. Ce que vous êtes agaçant à toujours être de la vie des gens et à sourire. Je lui ai dit que j'estimais que les autres avaient toujours raison. Il s'est indigné. Il n'y a que moi qui compte. Je me moque bien de tout le monde, de vous autant que les autres. Je ne crois qu'aux choses qui m'arrivent. D'ailleurs, moi, je ne suis jamais heureux ou malheureux. J'ai une existence imperméable. Le soir, je l'ai vu avec un livre de Monterland sous le bras. Et le lendemain, j'ai admiré comme il nageait bien. Je n'étais pas jaloux, car je tiens pour assurer que les hommes devraient se retirer des mers, où l'on se noie trop souvent par mon goût. Nous nous retrouvions assez souvent, Claude et moi, dans sa chambre. Elle s'étonnait de me trouver si gai. Tu as un air normal qui est bien bizarre. Je ne sais plus qui un jour m'a dit que j'étais vraiment indifférent, mais sans la moindre simplicité et que cela gâchait tout. Vous croyez que votre indifférence vous rend différent des autres ? J'ai failli lui sauter au cou. Tellement c'était juste. Je n'ai pas cherché à répondre, à trouver une excuse. C'était vrai. Comme il est doux de se rouler dans son plus grand défaut, d'avoir honte et surtout de ne pas prendre de bonnes résolutions. Je l'ai regardé. Cela m'enchantait de l'entendre parler raisonnablement. Elle faisait si petite fille. Chaque verre paraissait immanquablement son premier whisky. Chaque danse, sa première danse. De sorte que ces cavaliers me semblaient tous enrichis déjà de je ne sais quel privilège inouï, scandaleux, qui n'existait évidemment pas dans le cœur endormi. Dans leur cœur endormi. L'avantage de ces sentiments, chez moi, vient de ce qu'on a fini par les remarquer. On a chuchoté que j'avais le béguin pour Claude. Claude et ses amis sont allés un soir dans un cabaret de Jouan-les-Pins. Une marée de rire avec son flux et son reflux, sans compter l'écume de ceux qui dégueulaient, nous a accueillis. Nous nous sommes assis. Claude n'a pas su si elle devait rire. Je crois qu'elle aurait bien voulu. Derrière nous, une personne ravinée s'est penchée vers sa voisine. « Quelle étrange chose, la guerre » a-t-elle murmuré.
on ne se douterait pas de tout ce que le corps humain peut supporter, nous laissant ainsi deviner que son amant était un adjudant-chef de 92 kilos. Peu à peu, les plus grosses chrétiennes de l'établissement se sont déshabillées. Alors, j'ai revu rapidement la prise de K. Et ce grand café illuminé, où nous avions rassemblé des femmes qui étaient moins laides, moins grosses et moins françaises. Cependant, nous les avons violées et d'autres ont vomi. Des petites filles tirées de leur lit pour être livrées aux hommes. De la viande à humilier. Mais on n'humilie que ses égaux. Jamais nous n'aurions su humilier les putains de Jouan-les-Pins. J'ai senti encore une fois l'allure accablée d'une petite Allemande. Cet instant où on s'en fiche bien, où l'habitude est prise au moins pour une soirée. La révolte, la honte et la tendresse m'ont rempli le cœur. J'ai regardé ces gens à moitié nus et criant. Demain, les journaux s'extasieront sur les stupres du grand monde. Alors, je me marre doucement et je reconnais que ce genre de scandale m'ennuie profondément. Une civilisation qui tombe en ruine garde un sens, même si elle lui tourne le dos. La plus grande débauche exige la plus grande moralité pour rester intéressante. Mais que ces dentistes et leurs putains se déshabillent entre eux, rien n'est moins troublant. J'ai jeté un coup d'œil clandestin sur Claude. Bien sûr, c'est un animal de bonne race, mais les autres sont si nombreux et si pareils. Ils ont l'air de détenir toute la gaieté du monde. Je me sentais ennuyeux, mais je savais aussi que j'étais le personnage véritable dans cette sale comédie. Je les ai tous regardés une bonne fois. Leur rire s'est figé sur leur visage. Puis ces esclaves du temps ont repris leurs travaux.